Je suis issu d'une famille pauvre, dans la douleur elle m'enfante. D'un monde tel un fauve, en l'an de grâce 1630. Jeune de 20 ans, je pris mon baluchon pour tailler. Devenu membre d'un rafio sous la fonction de boucanier. Nommé capitaine, à sa mort je fus promu. Mettez le cap, direction l'île de la tortue. J'y ai pris refuge, forgé ma réputation. Puis des navires et des villes pratiquent la décapitation. Les soldats de la couronne me recherchent. Seul survivant d'un équipage qui fut massacré à Campeche. Je les vengerai, je n'ai qu'une parole. Viens t'apporter un navire de la flotte espagnole. Exécute chaque prisonnier de façon abominable. Passe la langue en léchant le sang sur le dos de mon sabre. J'ai coupé toutes les dettes excepté celle-ci. La laisse repartir en vie pour qu'elle puisse compter ce récit. J'ai sous mes ordres plus de 400 hommes, flotte de quelques bateaux, pour mener l'assaut sur cette île que l'on nomme Maracaibo. Une fois là-bas, ni habitants ni richesse, réfugiés à Gibraltar, gardés dans une vraie forteresse. On a quand même assiégé, tache de sang chiffonné. Laissez-moi danser ivre sur le hurlement de mes prisonniers. Durant des semaines à torturer la population, accommodée par l'odeur des cadavres en putréfaction. Enfiler les uns sur les autres, tu vois le cauchemar commence à paraître des bêtes ainsi que des maladies bizarres. Elles entendent les cris d'agonie de leur cher mari. Leurs femmes écartent leurs cuisses pour qu'on épargne leur vie. Après 6 semaines, nous partirons, à condition que la couronne accepte de verser la rançon. Levons l'ancre du port, ce fut une belle prise. Journal de port en page, page août 1636. La peur et le silence s'installent, rien qu'en prononçant mon nom, il me faut 600 hommes. Une flotte de 7 frégates projette de faire mon prochain raid à Grenade. Certes, c'est pas une promenade, fallu régulièrement piller. Pendant que le Gallois récupérait la moitié de mon armée, fini échoué sur le bord d'un récif, piégé, attaqué par des milices et des tribus d'hommes primitifs. Ma carcasse est à vous. Si ça peut vous satisfaire, mon esprit restera celui de l'Holonois. Femme et assoiffée, nous fîmes capturer au final, amenés jusqu'à un village où vive une tribu cannibale. Ça fait déjà le troisième gars qui s'emporte pour l'emballer afin de rôtir comme un porc à l'approche. Dégustez bien ma chair, revenant des enfers, mon âme survivra. Ma carcasse est à vous, si ça peut vous satisfaire. Mon esprit restera celui de l'Holonois. La nuit tombe, je peux pas dormir dans le bordel. Du feu, ils font des chants ainsi que des danses rituelles. Remue-moi, saignez-moi, extirpez mes viscères. L'Holonois reviendra, les morts ne mentent pas.
pointé du doigt. Cette fois, pour moi, c'est trop tard. Signé François Lolonois, c'est là que s'arrête mon histoire. Les morts ne mentent pas. À l'océan, vous venez non pas d'avaler des couleuvres, mais des courants de pensées passés par le bar de passeurs d'histoire, de mémoire et de savoir. Pour finir, deux ouvrages, l'un concernant l'eau douce. Il s'agit de croyances et coutumes des gens de rivières et de canaux, d'Annette Pinchedé. Histoire et dictionnaire aux éditions Talendier. Et concernant l'eau salée, la piraterie sur l'Atlantique au XVIIIe siècle de Léon Vignol, les inédits de Marine aux éditions La Découvrance. La première chanson que vous avez entendue dans cette émission, c'était La nacelle au ponton, écrit et composé et interprété par votre serviteur. La deuxième chanson, c'est L'âme sanguinaire ou L'âme de l'Olonois par Falcon et Juan Lebarbe. La nef à présent appareil en quête de nouvelles merveilles à penser, à dire et à faire passer. Rendez-vous pour une prochaine escale sous bon vent. Vous m'avez prêté vos oreilles, je vous les rends.